Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce jeu. Alors, comme je vous ai mentionné pas tellement longtemps, j'ai débuté ce jeu. Alors, on va aller l'explorer ensemble. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'il y a. C'est pas nécessairement un jeu que j'ai joué très souvent et très longtemps d'ailleurs. Puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est une des fois que j'ai joué le plus long. Mais ça, c'est la petite intro que je vous parlais dans la vidéo de Subsistence. Alors, on est un peu... Présentement, je pense que si je suis l'histoire un peu, c'est qu'on est... On est prisonnier, OK? Et puis, ça, c'est l'intro du jeu. Alors, c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement contrôler par nous-mêmes, là, mais ça, c'est l'intro. Alors ici, c'est toujours le même choix, mais je n'avais pas remarqué qu'il avait jeté son briquet de côté. Fait qu'on, bien sûr, on va toujours choisir la fameuse carotte, parce que... Here you are again. Did you have time to think of how to behave during the interrogation? Remind him, R2-D3. Aïe aïe. You tell us all you know from the beginning. No lie. Confirm? Yeah. Sure. Aïe. You tell us all from the beginning or violence. You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Confirm? Ouais, on va confirmer, parce que comme j'ai joué hier, là, c'est comme tu peux cracher sur lui, là, ben des fois, là, mais écoute, à un moment donné, tu veux avancer dans le jeu, là. Mais c'est le fun de cracher sur le monde pareil. Surtout quand il te tape pour rien, là. Fait que l'histoire, là, c'est que t'es dans ce vaisseau-là, OK? Tu t'en vas dans un funérail. Alors, j'imagine que le vieux monsieur qui se trouvait dans le cercueil, bien sûr, décédé, parce que sinon, pauvre gars. Ben, on s'en va à son funérail à lui. Fait que ça doit être le grand-père, là. Hein? Ou quelqu'un qui a bien aimé. Et puis, ça, c'est les nouvelles, là. Alors, il veut simplement savoir, là, le gars qui tape dessus, là. Il veut savoir qu'est-ce que tu fais là. Bye! Encore une fois, t'es dans l'intro. Pas grand chose que tu peux faire sauf écouter l'intro. J'aimerais vous dire qu'il y a un raccourci, mais il n'y en a pas. Ça, c'est pas ma musique, c'est de la musique du jeu en passant. You lied to me. Logo was impossible. No. Could not see the shuttle from space. Tell truth, no lie. Confirm? Mais oui. Fatiguant. Bon, après toutes ces niaiseries-là, là, le jeu débute. Tu comprends? Fait que là, c'est ici là, que ça commence ton apprentissage. La première des choses, c'est une gomme sur ton affaire. Oh, une popoule! Greetings. Une popoule. I'm your funerary spacesuit's built-in guide to the world of space funerals. Before we start communicating further, confirm that you are still able to read after the impact. Ouais. Splendid! You've gotten into a non-standard situation. The Breath Edge Global Funeral Agency is proud of its impeccable history. However, your death may cause the loss of its reputation. Therefore, we suggest that you stop the gas leak and survive. Ouais, ben, merci, en passant. Fait que là, on doit arrêter la fuite de gaz. Tu sais, le poulet, c'est quand même bon, hein, la popole? Hey! You'll need an object without any holes. Bon, OK. C'est pas bon. When picking up any useful items, you can stuff them in your pockets, calling it an inventory, if you will. OK, bon. On a un inventaire, apparemment. Try not to get your funerary spacesuit sticky while holding the chewing gum in your hand.
Moi, je trouve ça intéressant que sa seule préoccupation, c'est que je me gomme pas partout avec la gomme. All right. Ouais, il a peut-être raison. You deserve some words of encouragement. That's impressive. You've almost won. Merci. Remember that the funerary spacesuit isn't designed for long-term use of persons or animals in outer space. It is recommended to immediately call for help on the interphone, improve the spacesuit, or become depressed. Nice. OK, calendrier. Calendrier du mois de septembre 2073. OK. Non, touchera pas à ça pour l'instant. Il y a beaucoup de choses à explorer, man. Ah, chambre de bain. The waste disposal system is damaged and is operating in reverse mode. The toilet can suck objects flying past the shuttle when the tanks are full. Bon, OK. Fonctionne à l'envers. Au lieu d'aspirer, ils prennent des choses, ils aspirent des choses de de l'espace. Ah, ça c'est bon. Ah. On peut changer la musique. Ben, je l'entends pas beaucoup là. Un autre. J'entends rien du tout, moi. Ouais, celle-là, je l'aime bien. OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ok, c'est ça un peu le jeu, hein? C'est, tu explores. Nous, on va aller juste aller voir le hublot. Nice. Ah, on peut se reposer ici. On a un genre de bâton à terre. Ok, ici, dans ton inventaire, c'est ça. Il dit, c'est qu'est-ce que tu as à faire. Alors, c'est de trouver le téléphone. Et voilà, il est trouvé. Ok. Plein d'affaires. C'est-tu Greenpeace, c'est ça? Ça doit être un code, ça. Oh. Just the antenna. You'll have to go into outer space. Il est pas trop patient, le gars. C'est que il vient de casser tout de suite le téléphone. Ah. Photo est partie. Don't forget to feed the chicken. Non, on va pas oublier. Si tu me dis comment, là, il n'y aura pas de problème à te faire ça. Alors, check the antenna. Il faut que j'aille à l'extérieur, j'imagine. Ça, c'est toutes des petits, des petites choses ici. Petite note, les petites photos. Le calendrier. OK. When you discover a new blueprint of an item, it is automatically added to the memory or processor in the kitchen, where you can create this item using the necessary resources, probably. OK. On va mettre un peu de lumière juste pour qu'on voit. Fatiguant ce petit bruit-là, hein? Ce petit, le petit bruit, le fond de bruit. Et on va éteindre la musique, là, on ne peut pas l'entendre de toute façon. OK, ça c'est... check whatever. OK, j'ai été trop vite. Alors, clique sur ta souris gauche. Puis là, tu vois, tu peux bouger l'item comme ça. Je sais pas si c'est important de les avoir ou pas, là, mais... Oh, oh. Ça, c'est pas bon. Mais, elle est déjà bue. Mais, on va laisser sur place. Un livre. Puis ils disent, si tu lis toutes les 50 livres, tu vas être reconnu comme la personne qui a tout lu. Fantastique. Ça, c'est. OK, mais tu me laisses pas le temps d'observer, man. OK, alors, equipment. Ah, on peut se faire des... on peut se faire des équipements. OK.
dans les outils un grabber. Alors, ça doit être un pogneux. L'alcool, ok. Donc, toujours vérifier lanterne. Oui, oui, ça je sais. Ça, c'est qu'est-ce qu'il vient de nous dire il n'y a pas tellement longtemps. Fait que tu peux retourner dans ce menu-là pour voir. Si jamais tu n'as pas compris, ben. Des fois, ça va trop vite. Ah oui, le grabber, ok. Alors, it may seem to be a simple grabber at first glance. When in fact, it is over simple, simpler grabber based on back scratcher. Ok. Pas vraiment. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est. Alors, un alcool industriel qui est utilisé pour enlever des tâches difficiles, désinfecter les toilettes, puis nettoyer d'autres affaires. Puis tu peux le boire aussi. Ok. Métal. Les ressources. Refined metal. Fait qu'on va avoir encore des affaires à collecter ici. Oh man! Grosse TV. Ça prend un vidéotape. Nice. Hop. Eh ben. Ok. Oh! C'est quoi? Ah, tu vois? Alors là, on va avoir un survival guide. C'est vieux, hein, ça? Je sais même pas s'il y en a certains d'entre vous qui se souviennent c'est quoi ça exactement. Mais c'est très vieux. Ah, là c'est dans mon inventaire, fait que ça doit être là-dedans, là. L'allume. Comment je fais pour... Ah, ok. Et voilà. Boom. Oh, nice, nice. Ok, on va écouter un petit film. To pee or not to pee. Alors là, ta vessie apparemment est pleine. Fait que là, ils disent ben, que j'imagine faut tailler à la chambre de bain. Oh, nice! Ouais, pisser partout, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il faut faire aussi. Ça, c'était clair. Tu veux, regarde, on peut se faire des équipements dans le jeu. Oh, on peut explorer l'espace. Excellent. Ouais. Ça, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Ah! Faut pas être trop proche de ça. Ah, la popoule! Nice! La petite popoule est bonne. Fait qu'après un certain temps, je pense qu'on peut se bâtir des outils. Le gars, il a l'air d'avoir bien gros de la difficulté à miser dans le trou. Juste là, le trou, là. Là. Non. Non. En tout cas, c'est pas moi qui vais aller nettoyer ça après, ça c'est sûr, certain. Nice! Ok! T'es cute, ça, comme tutelle. Faudrait que tous les jeux de vidéo soient comme ça. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il faut toujours aller réparer là, la lanterne, apparemment, mais pas grave. Ok, ça, c'est rien. Ça, c'est vide. Il y a quelque chose ici. Oh, un autre livre. Et encore une fois, c'est 50 livres, man. 50 livres que tu peux lire. Ah, on en a un autre ici. Ok, lui, il est ordinaire. Lui, il nous dit qu'il y a des pages. Qu'il y a des numéros sur les pages. C'est quoi? Alright. Écoute, ça, c'est quoi ça? Ah, du tape électrique. C'est bon. C'est un inventaire. Ok. Ah, tu vois, regarde, ça prend comme deux espaces, ça. Une. Nice.
Ça, on va le garder parce que je sais pas exactement ça, c'est quoi? C'est. Ils disent que c'est cher, non filtré, noir, sans goût. Un breuvage que grand-papa buvait apparemment. Bon. Ça, c'est grand-papa avec sa poule. En amour avec sa poule, c'est correct. Ça, c'est notre personnage quand il était bébé, avec sa grosse barbe. Ah, il pesait 5 kilos, 13,02 cm. Le 30, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis ça, c'était Henry, le chat. Ça, c'était son premier animal et son dernier animal. À notre caractère, évidemment. Ça, c'est... Oh, c'est-tu cute, regarde ça. Wow. Peut-être que son chat a décédé à ce moment-là, je sais pas. Ah, ça y... Ben, je pense que c'est la planète Terre. Hein? Une autre photo. Bon, ok. Alors, ça ici, c'est quoi ça? D'autres photos. La popoule. Elle a un bain dépressif, la popoule. Ça, c'est Space. Space O. Space Odyssey. Oh, un blueprint. Ça, c'est une drill. Hein? Je pense bien. Grandpa's garage was full of such blueprint. Ah, tu vois, gars, j'avais raison. Une drill. Ça, c'est le papier journal qu'on avait trouvé. Donc, on est quoi? 15 août 2073. Those damn bananas continue kidnapping my goat. OK. C'est ça, la banane? What a loud weird, headline. Man. But the probability of the liner crashing due to a terrorist attack is 65%. Ah, ben, c'est pas si élevé que ça, finalement. C'est juste 65%. Là-dedans, on trouve quoi? Trouve l'équipement, bien sûr. Alors, on peut faire un space suit. Ça prend... C'est quoi? C'est radiation protection 50%. Donc, ça, en tout cas, on va le voir. Là. Je pense pas que je suis capable de le faire tout de suite. Puis ça, c'est radiation... Ça, c'est helmet. Alors, ça, c'est 25, puis l'autre, c'est 50. Donc, ça, c'est la drill. On va en avoir seulement besoin. Puis ça, c'est le grabber. Alors, tu vois, il faut les ressources, là. Il faut le refine metal, les batteries, les fils, l'aluminium, puis lui, ben, c'est ça, il te faut plein d'affaires. Fait que, on va voir ça tantôt. Ah, tu vois, regarde, il m'en fallait plus. Ça, c'est le scratcher. Ah, ça, c'est un back scratcher, c'est pas un grabber. OK, ça, c'est pour une affaire pour se gratter le dos. Ça, c'est-tu le fun, les affaires, pour se gratter le dos, man? Ah! Oh. Hein? Ça, c'est... OK. Alors ça, c'est un morceau de tissu. OK. On va pouvoir voir à quoi que ça sert plus tard. Rien d'autre, hein? Ça va être ton genre de petit radar que tu vas pouvoir identifier plus tard dans le jeu, quand tu es à l'extérieur du vaisseau. Puis lanterne, ben on va les mettre en bleu. Alors, book, les photos, hey, c'est pas pire, les journaux. Ah, ça, c'est mon back scratcher. Ah ouais, ouais, gratte-toi le dos. Oh, man, c'est bon. OK, ben là, je pense, tu vois, regarde mon petit vaisseau à 6 mètres. Non. T'es un peu, là. On se prépare, là. OK. Wow! On va-tu avoir du fun, man? Wow! Check ça! C'est grand!
A source of increased radiation is detected. Probably this is the central core of the liner. Be careful, the radiation will kill you instantly in such a suit. Oh oui. Nice! Ok. On n'a pas assez d'oxygène. Ah, mais j'aurais resté là, il y a longtemps, moi. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans à cette heure? Avec qu'est-ce qu'on vient de ramasser? Ok, on peut faire des petits packs de nutrition. Ça, c'est bon. Ok. Et on peut faire de l'eau. Ok, donc deux morceaux de glace d'eau, j'imagine. Puis ça, ça donne 30. J'en ai besoin, là, parce que ma soif est à 4 sur 100. Nice. Ok, on boit. Oh, tu vois, regarde, là, j'étais à 33. Puis là, j'étais à... Peu importe, là, je le vois pas bien, là. Wow! Tout un jeu, man. Là, faut toujours que je répare ça. On va faire ça au prochain vidéo. Hop, non, j'ai pas envie. Bon ben, mes chers amis, ça c'était Brett Edge. Mon nom est Monsieur Doob. Me fait un grand plaisir de vous avoir présenté ce jeu. Et on se voit à la prochaine.